Le western a eu son âge d'or il y a longtemps, avant de tomber dans une forme de latence qu'il mit près de 40 ans à briser avant de redevenir un genre populaire, comme c'est le cas aujourd'hui avec des auteurs comme Quentin Tarantino. Aujourd'hui, le western semble avoir regagné ses lettres de noblesse auprès du grand public. Mais ses véritables lettres, ce genre les a gagnées à la grande époque d'Hollywood, durant son âge d'or, où il vit deux types de westerns s'opposer. D'un côté, Sergio Leone et sa bande de Mexicains et d'Italiens cherchent à apporter au genre un côté brut et violent au travers du western spaghetti. Tandis qu'en face, des hommes comme John Ford ou John Sturges avaient pour ambition de lui donner un côté plus classique et élégant à l'américaine par le biais des codes du cinéma américain. Là où des réalisateurs cherchent à révolutionner le genre, d'autres cherchent à lui donner des lettres de noblesse plus classiques, et c'est de ce côté-là que l'on va sortir aujourd'hui un des films les plus emblématiques de cette période. En 1960, John Sturges offrait à la production américaine un remake aussi surprenant que génial rien que sur le papier. Un remake d'une œuvre forte du cinéma japonais, une œuvre qui allait dans un sens dépasser son modèle et marquer le cinéma. En réadaptant les 7 samouraïs de Akira Kurosawa, John Sturges fit de ces 7 mercenaires des légendes à part entière, en dépassant l'aîné japonais pour livrer un film qui se devait alors d'entrer dans le panthéon des grandes œuvres américaines de son époque. C'est ainsi que naquit une œuvre qui parvint, avec tout de même beaucoup de cran, à remettre au goût du public occidental, une œuvre orientale qui encore aujourd'hui divise le public, contrairement à cette réadaptation américaine reconnue par tous. Si le nom de John Sturges ne vous est pas inconnu, c'est parce que le bonhomme a marqué d'une pierre angulaire son passage dans le cinéma hollywoodien par le biais d'œuvres de genre dense et surtout épique. Ces 3 films emblématiques qui ont fait sa carrière, Fort Bravo, La Grande Évasion et bien sûr Les 7 Mercenaires, qui restent aujourd'hui encore le film que l'on cite lorsque l'on parle de la carrière de ce réalisateur qui laissa une trace indéniable dans le cinéma américain de l'âge d'or. Au travers de ce film, il parvient à substituer l'essence même de son cinéma en parvenant à rassembler ce groupe d'Américains symbolisant chacun à leur manière un idéal de ce pays et réussissant par là même à capturer un humanisme qui transcende tout le métrage. De par cela, Sturges est le nom qui a fait la légende de ce métrage et a réussi à faire en sorte que le film dépasse son simple statut de réadaptation pour devenir tout simplement une œuvre à part entière. Si le film est entré dans la légende, c'est également parce qu'il est parvenu à rassembler dans un seul moment de cinéma une tripotée de gueules de la production hollywoodienne qui forment encore aujourd'hui l'un des plus beaux castings de cette période avec celui de Rio Bravo. Steve McQueen, Yul Brynner, Charles Bronson, Horst Buckles, Eli Wallach, Robert Vaughn, James Coburn et Brad Dexter. Que dire de plus? Si ce n'est que la fine crème de la production hollywoodienne de cette époque offre ici tout simplement des performances magnifiques pour un long métrage qu'ils imprègnent de leur charisme. Si le film est devenu légendaire, c'est parce que ces hommes sont largement à la hauteur de cette légende et se sont surtout permis d'offrir tellement de leur personne qu'ils incarnent encore aujourd'hui la grandeur de ce film. De vrais personnages de cinéma, pour un moment de 7e art qu'ils emportent très très loin dans les annales de la production américaine pour porter et emporter le cœur du spectateur vers une épopée émotionnelle forte. Si le film est entré seul dans la légende, c'est parce qu'il a réussi de manière brillante à dépasser son aîné, à se donner du caractère tout en réussissant à capter le brio de l'œuvre originale, tout ça sans la dénaturer. Les 7 samouraïs restent encore aujourd'hui un classique de la production japonaise. Et c'est là que Les 7 mercenaires a réussi son coup, en devenant lui aussi un classique de la production américaine, souvent cité mais rarement mis au même niveau que le film de Kurosawa. Sturges ayant réussi à faire en sorte que son film soit regardé de manière séparée. Samouraïs et mercenaires forment chacun de leur côté des hommes aux idéaux semblables. Mais là où Kurosawa leur donne un rôle religieux, Sturges a réussi à leur donner un rôle humain, qui donne lieu à un film superbe et à part de son aîné. Ainsi, pour l'une des premières et rares fois de l'histoire du cinéma, un long métrage supposé être un remake devint une œuvre à part entière, que l'on regarde mais rarement que l'on compare au chef-d'œuvre de Kurosawa, Sturges ayant réussi lui aussi à créer un chef-d'œuvre. Et surtout, si ce film est reconnu comme un classique par tous, c'est parce qu'il a peut-être l'une des scènes de siège les plus réussies de l'histoire du cinéma, une scène totalement et magnifiquement hallucinante de grandeur. C'est une combinaison de tout ce qui a été cité avant, un ensemble qui parvient à donner lieu à un sommet de cinéma dans tous les sens du terme, alliant une mise en scène folle, un rythme tout simplement parfait, une maîtrise des acteurs et de l'action totale, bref, l'essence même de ce qui fait une grande scène de cinéma.
Sturges, avec l'aide de son casting et de son équipe, parvient à livrer ici un moment de 7e art palpitant à souhait, qui inspirera les plus grands par la suite et qui donnera des idées à de nombreux réalisateurs pour rythmer leur scène de siège. Au travers de cette scène, Sturges immortalise son long métrage et l'essence même de sa grandeur, parvenant à symboliser la puissance du western à l'américaine et les nouveaux idéaux d'une Amérique qu'il regarde avec beaucoup d'espoir. Au fil du temps, le public s'est certainement lassé de ce genre de film. Et même encore aujourd'hui, par l'époque et le genre qu'il touche, certains voient les Sept Mercenaires comme une œuvre conservatrice, ce qui sera un affront que de juger une telle œuvre de conservatrice. Western aux accents humanistes terriblement nouveaux, remake parvenant à réadapter totalement l'esprit du film originel pour le remettre au cœur d'une œuvre parvenant de manière imposante à créer quelque chose de frais. Bref, tout est là pour faire de ce film un chef-d'œuvre. Sturges a créé une réinterprétation tellement bien conçue que lorsque l'on songe à elle aujourd'hui, on ne la conçoit plus en tant que réadaptation, mais en tant qu'œuvre à part entière, qui donnera lieu d'ailleurs à des suites, et qui fut par le temps elle-même l'objet d'un remake.